Allô? Allô? Oui, vous m'avez coupé? Non, c'est mon chien, il a fait tomber le téléphone et puis il est parti. D'accord. Vous mettez vos lunettes? On va répondre ensemble, s'il vous plaît. Oui, il est embêtant, le monsieur. Il est embêtant, monsieur. Il est embêtant, le monsieur. Oh, oui, il est embêtant, le monsieur. Oui, allô? Allô? Mais va dans le panier. Va dans le panier. On va aller faire une proprome. On va aller faire une proprome. On va aller faire une proprome. Allô? Oh oui. Va chercher la veste. Monsieur, nous avons déjà terminé, s'il vous plaît. Voilà, on a patienté. Voilà, nous sommes déjà à court de l'acheminement. Mon voisin, il est dans l'informatique, il peut peut-être m'aider, je peux lui demander de l'aide. Vous n'avez pas besoin de votre voisin, s'il vous plaît. Mais je vais appeler mon voisin, il est dans l'informatique. Nous avons juste besoin du bon numéro de la carte. Vous regardez la carte et vous nous donnez le bon numéro. Oui, mais c'est plus facile si je demande de l'aide. Monsieur, ce genre de choses-là sont secrets, donc c'est pour cela que nous voulons que vous-même, vous fassiez, voilà, la création. Je peux pas faire avec mon voisin. Non, c'est secret, monsieur, voilà. Parce que là, vous devez donner vos coordonnées secrètes. Voilà. Donc, pour ne pas qu'il y ait un souci, nous vous demandons de bien vouloir regarder le numéro de la carte. Nous avons tout notre temps, nous sommes patients. On va vous aider, s'il vous plaît. Mais mon Vous regardez la voisin, je le carte, connais, vous... je le connais bien depuis longtemps. Non, monsieur. Oui, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Donc, nous, notre rôle est de sécuriser la création de votre compte. Donc, vous On regardez ne sait jamais attentivement quoi. le numéro de la carte. On ne sait jamais quoi. Ben, on ne sait jamais, monsieur, d'où la fraude peut provenir, s'il vous plaît. On ne sait jamais d'où la fraude peut provenir. Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'on vous demande de bien vouloir regarder la carte. Vous avez dit 6703. Fraude de quoi? Moi je Ben, fraude pas sur le parce que site. je vends un canapé, je fraude pas, monsieur. D'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est pour cela aussi que nous faisons tout notre effort pour pouvoir vous aider à pouvoir ouvrir votre compte en toute sécurité. Voilà. Donc, vous regardez la carte, vous dites 6303. 62, 62, oui. 37, 75, 4, 76, 85, 8, 88, 5, 85. D'accord. On va reprendre parce que ça a bugué lorsque vous avez parlé. 6703, Oui. 3100. 62, 24, Oui. 74, 12. Oui. Je crois. Le dernier chiffre? Le dernier chiffre, 5. C'est carte, c'est mais c'est pas le même que tout à l'heure. Oui. Il varie à chaque fois que nous faisons, le numéro change. Ah, c'est compliqué. Vous avez dit 3, 3, 8. 3, 8, 2, 6, Deux fois. 4, Oui. une fois 2 et 8 à la fin, c'est bien La ça? machine s'est éteinte. Attendez, je recommence. Ah, il me redemande d'identifier. Allô? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Alors, je refais identifier? Oui, allez-y. Louis! Appuyez identifie, vous mettez votre code PIN, puis OK. Ils ont mis une faute, ils ont mis réponse. Il y a un S en trop. Oui, la réponse, vous donnez la réponse, s'il vous plaît. Mais réponse, ça n'existe pas, réponse. Il y a un S en trop. La réponse, c'est les chiffres qui sont devant la réponse que vous devez donner, s'il vous plaît. C'est compliqué. Pas du tout, monsieur, c'est parce que vous n'avez pas du tout. Voilà, vous donnez la réponse, s'il vous plaît. Mais c'est ma femme qui s'occupe de ça, non?